Ma way way you let down. Jo way ne na ba tu pi fo fo me way you let down. Oh,
L'instruction biblique de ce matin est tirée dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, versets 16 à 22. The spiritual message we have to listen to this morning is taken from the book of Isaiah. Isaiah chapter 1, from verse 15 to 22. Pour Audrey, à fond, nous étonnons. Nous prenons mes roches, je vois Yahweh ton rang dans les mitons. N'ayez qu'il y a son oué Yahweh dans Isaïe à ton nom. Au taille ton tintin. Ceux qui avaient leur lampe qui brillait étaient entrés dans la chambre. Et l'époux était en train de converser avec elle. Au moment, la porte était fermée. Elles étaient de retour. Devant la porte, elles ont commencé par frapper. Et on a demandé qui sont ceux-là qui sont à la porte. Ce sont nous qui étions allés partir acheter de l'huile. Je ne vous connais pas, dit l'époux. Je ne vous connais point. Je suis déjà ici avec mes épouses. Mais vous qui êtes à la porte qui frappez, je ne vous connais point. Donc, dans l'adoration, il y a encore le problème de je ne vous connais pas. Au moment tous te reconnaissent ici comme adorateur. Et toi tu lis la parole. Tu ne le mets point en pratique. Annoncé. Tu écoutes. Tu ne le mets point en pratique. Tu deviendras je ne vous connais point. Toli. Mais parce que celui qu'il connaît, c'est celui qui marche selon son ordonnance. Mais c'est celui qu'il connaît ça. Mais et c'est les bons échos de celui-là qui lui parviennent jusque dans les cieux. Ses œuvres, ce qu'il pose comme acte, monte vers les cieux. Les œuvres de connaître sont montées jusqu'aux cieux. Et les œuvres de Sodome et de Gomorrhe sont montées également jusque vers Dieu. C'est pour cela que le jugement est descendu, la condamnation est descendue sur ces deux villes. Ils se sont imités, mais ils n'ont point imité Dieu dans leurs actes. C'est là où il y a le péché. Après avoir cru, ceux qui tiennent de mauvais propos, tu les imites. En disant, mais ils sont quand même des croyants, mais ils tiennent des propos terribles. Et toi-même, tu les imites dans tes propos que tu tiens. Et l'écho qui monte vers les cieux, toi-même ton écho montera également vers le ciel. Et ceux
Et toi et celui que tu imites dans tes actes, votre écho retentira jusque dans les cieux. Et le jugement que mérite chacun quand le jour viendra pour que le jugement soit donné, toi-même tu recevras ta part. La part que Dieu a donnée à Corneille est différente de la part que Dieu a donnée à Sodome et à Gomorrhe. Parce que l'écho qui se faisait retentir d'eux était différent. Corneille était officier, mais n'avait pas les mauvaises pratiques qu'avaient les officiers du temps. Et ma zinde de gants. Il ne s'est point mis dans la peau du chef, mais il savait avec la conscience qu'il a un chef et qui demande de faire le bien et lui se consacrer à faire ce bien-là. Il avait peur du roi des cieux avec sa crainte. Et ne s'est point regardé comme chef autorité pour agir sur la terre. Ceux-là qui doivent opprimer, il ne faisait que du bien. L'Éternel Dieu dit, j'ai vu tes œuvres. Et j'ai vu tes œuvres et j'ai vu tes prières. Ces deux phrases marchent ensemble. Oui, moi, sont oui. Quand il voit tes œuvres, quand tu te mets à prier, ta prière sera exaucée. Voyez-vous, ces deux choses marchent ensemble. Si tes œuvres sont vues dans les cieux, ta prière également sera exaucée depuis les cieux. Quel que soit ce que tu entreprends pour le Seigneur, il sera fait à l'exaucer. Mais si tel n'est pas le cas, il dira, au moment où vous levez votre main, je détournerai mes regards. Quand vous multipliez vos prières, je n'exaucerai point. Vous allez multiplier les prières, mais moi, Dieu, je n'exaucerai point. Quand plusieurs disent prier, prier, la prière manque. Quand la prière se multiplie et que la justice diminue, on va se chiner, se gêner, mais rien, aucun bon résultat n'arrivera. Car ce que Dieu désire voir au premier plan, c'est d'observer ses commandements et ne point s'en détourner. Avant de prier, Corneille le savait. C'est pour cela qu'il obéissait à ses commandements et enseignait ses serviteurs, ses servantes à se conformer à cela et était en train de faire du bien avant d'adresser ses prières. La parole de Dieu déclare, c'est la justice qui donne la force au pays et aux familles. Si tu veux avoir une famille puissante, une maison puissante et avoir des enfants qui sont puissants dans l'esprit, ce qui doit devancer, ce qui doit être vu au premier plan, c'est l'obéissance. Il n'y a qu'on l'a pas dit déjà autant au fil mettons. En
enseigner les préceptes de l'Éternel à sa maison, à sa famille, à ses enfants, afin que ses enfants puissent les garder pour ne point aller imiter ceux qui font le mal. C'est ce qui fait la force de la famille. La force ou l'affermissement d'une famille, d'une nation ou d'une église, c'est ensemble. Ils se mettent ensemble pour invoquer l'Éternel et l'Éternel Dieu répond. Et quand on crie vers lui, s'il refuse d'entendre, qu'est-ce qui arrive? C'est ce qui est arrivé à Saul le roi. Quand il n'a point écouté l'ordre de l'Éternel, l'Éternel Dieu se révélait à lui, mais ne s'est plus révélé à lui. Il avait des songes et cela était réel. Mais maintenant, il ne faisait plus ces songes-là. Il a commencé par courir pour aller chercher celui qui va consulter pour lui faire des visions. Tu n'obéis pas à l'Éternel pour qu'il soit ton guide, tu vas quand même chercher des visionnaires. Si tu montres le chemin que toi tu refuses d'emprunter, tu vas commencer par te garer après. C'est comme ça les choses se font dans le monde. Et c'est ce qui était dès le commencement. Nous tous qui sommes issus d'Adam, nous savons que c'est le péché qui nous a mis dans l'état dans lequel nous étions. Et maintenant que nous sommes venus à l'Éternel, si nous obéissons à sa parole, nous savons que l'espérance qui nous attend est grande et c'est la vie éternelle. Tous ceux qui sont en Jésus ont la vie éternelle. Si ils peuvent l'écouter. Si nous l'écoutons. Et si nous pouvons mettre en pratique sa parole. Si nous ne négligeons pas ces commandements qu'il a prescrits aux premiers qui ont obéi, à qui ils ont obéi, c'est ce qui nous attend. Lavez-vous. Que le Père cela. Que le Fils cela. Que les petites filles cela. Et que tous ceux-là qui sont venus adorer l'Éternel cela. Et qu'ils ôtent de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté. N'importe où tu te trouves, tu es devant les yeux de l'Éternel. Et s'il fait nuit ici, devant l'Éternel, ne fait pas nuit pour qu'il ne voit point. Si tu marches de nuit pour aller commettre l'iniquité, cela ne te cache pas devant l'Éternel, car l'obscurité ne peut cacher l'homme devant Dieu. L'obscurité ne peut cacher devant l'Éternel. N'importe où tu te trouves, sache que tu es devant Dieu. Et tu dois savoir que si l'Éternel est assis sur son trône devant toi, la manière dont tu dois te comporter à son égard, fais-le en usant de tes actions envers tes frères, dans tes actes et dans tes comportements. Dans tout ce que tu entreprendras, tu dois savoir que tu es devant l'Éternel. Il t'entend, il te voit. En ce moment, pour parler, tu dois avoir une certaine crainte. Car le roi te voit.
quand je dirai de ce qui n'est pas bon entendre, il entendra. Et quand il finit d'entendre, si cela n'est pas agréable à ses oreilles, ce que je subirai comme conséquence ne sera pas bon. Si nous voulons être puissants dans l'esprit, de la puissance de l'esprit, pour avoir la suprématie dans la bénédiction, dans la paix, dans la victoire, dans toutes sortes de victoires, Dieu maîtrise tout ce qui nous importune dans le monde. Mais il dit, si vous obéissez à ma parole en les mettant en pratique, je serai l'ennemi de vos ennemis. Je serai quoi? L'ennemi de vos ennemis. Si Dieu devient l'ennemi de tes ennemis, où va rester ton ennemi? Vivotenado est édifié. Quelle paix aura-t-il maintenant? Quelle paix, quel repos aura-t-il? Qu'est-ce qui ne subira pas comme malheur? Il ne vivra que de mauvais événements. Mais pour toi, on priait contre Israël. Pour son malheur. Et celui qui a été invité pour prier contre Israël pour le maudit, quand il a ouvert sa bouche pour parler, il dit, celui que Dieu ne maudit, personne ne peut maudire celui-là. Celui que Dieu ne maudit, personne ne peut le maudire. Israël est béni. Mais l'ennemi dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien ce que je te donne comme présent n'est pas suffisant. Je te demande de les maudire et toi tu ne fais que dire de bonnes choses, tu les bénis. L'événement ne vient pas de l'ennemi, mais cela doit venir d'abord de Dieu. Si tu as été déjà prédestiné à cela, c'est seulement à cette condition que cela arrivera. Mais si cela n'a pas été préécrit, cela n'arrivera pas. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Bénis soit ceux qui écoutent sa parole et qui les mettent en pratique. Celui qui écoute et qui habilise la parole, alors c'est habiliser sa propre vie. Et quand on ne met pas en pratique la parole de Dieu, la vie de l'homme devient vile. Merci Batoya, merci Itoya, Azetoya, Merutoya. Donc, si c'est d'agbeter, tu crois ton bébé, tu es dossier pour 50 francs. Considérez un peu la vie de ceux qui font de mauvaises choses dans ce monde, qu'ils soient sorciers, enchanteurs, ceux qui commettent de l'adultère, qui vont prendre la femme de leur prochain. Considérez leur maison. Qu'est-ce que vous avez vu fleurir là? Celui qui vole, qui dérobe les biens de son prochain, allez lui poser la question pour savoir qu'est-ce qui a pu prospérer pour lui. Il n'y a pas de bénédiction en commettant l'iniquité. Quand on commet l'iniquité, c'est le malheur qui survient. Si le monde entier peut écouter, ce sera bien. C'est pour cela Dieu sait les conséquences qui en découlera. Raison pour laquelle par la bouche d'Esaïe, il s'adresse à Israël et il sait que quand nous aussi nous allons lire cette parole, nous saurons prendre nos gardes. Mais là où? Lavez-vous. Mais là, purifiez-vous.
Minde nous iran kanson nous koumen ami. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté. Minde kan iran se. La méchanceté. Mi doa lo iran wiwa tante. Et cessez de faire le mal. Mi klon dagwe wiwa. Apprenez à faire le bien. Mi ugbeto le kodo na klon ete. Dagwe wiwa. Nous tous nous devons apprendre quoi? À faire le bien. Apprenez à faire le bien. Et apprenez à dire de bonnes choses. Apprenez à avoir une bonne pensée. Recherchez la justice. Que l'opprimé soit protégé. Faites droit à l'orphelin. Asukusi magia nu kumito meblo. Et défendez la veuve. Mboa. Et venez. Mi wadagbe po mboa. Après avoir fait du bien, venez. Nyekpo mi kuna le nundopo. Et nous allons plaider ensemble. Mokro no roni. Dit l'Éternel. Mi wadagbe po mboa. Après avoir fait le bien, venez. Mboa fite. Venez où? Mi wa de ho me bo jeklo. Venez là où vous priez quand vous mettez en, à genoux. Mi jeklo to ho mi to bo do ho ko ma upolo. Mettez-vous à genoux dans vos champs et parlez avec l'Éternel. Où est le chrono? Dit l'Éternel. Mi plon. Apprenez. Na do wa dawe. À faire le bien. Donc c'est ce qui me reste, c'est ce qui vous reste aussi. C'est ce qui reste à tous les hommes dans le monde. Nous devons apprendre à faire le bien. Et rechercher la justice. Et ne point nous laisser opprimer les uns de la part des autres. L'Éternel Dieu dit, quand vous commencez par faire le bien, venez maintenant, nous allons plaider ensemble comme un père et son fils. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poudre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le clair. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Si vous vous rebellez, si vous résistez, vous serez dévoré par le glaire. C'est pour cela que je vous ai dit tantôt que avant d'être puissant, cela dépend de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Si vous si tu résistes à faire le mal, à dire de n'importe quoi, tu n'as pas une force, car la force, toute force vient de l'Éternel. Voilà qu'il dit que ceux qui résistent de cette manière, qu'ils seront dévorés par le glaive. Cela révèle que le méchant n'a pas de paix. Et il n'y a pas du tout de repos pour lui. Pour avoir le repos, devons nous détourner du mal.
21e verset dit. Était. Quoi donc? Était. Quoi donc? Oto wiwe elezun akaletoleton. La cité fidèle est devenue une prostituée. Agun wiwe lezun akaletoleton. L'église sainte est devenue une prostituée. Okwe wiwe lezun akaletoleton. La maison sainte est devenue une maison de prostituées. Kwetuelo. Et ta maison. Ton église, ta chorale, tes anciens et les petits, ta nation est-elle sainte ou est-elle devenue le lieu des prostituées? La justice habitait en ce lieu. Dodo gofida yi. Elle était remplie d'équité entre temps. Bo fiwe nu bono non liye. Et c'est ici qu'habitait la vérité, la justice. Bo mehuto le ka gofidi. Et maintenant il y a des assassins. Mehuto le gofidi. Des assassins remplissent ce lieu à présent. Que nos maisons ne soient pas transformées en des lieux des assassins. Que notre nation ne soit transformée en une nation des assassins. Ou notre église en une église des assassins. Que la justice habite ce lieu. Si nous recherchons le bonheur. On ne peut continuer dans le péché pour espérer le bonheur. Et l'Éternel dit une parabole ici. À quoi tu es codjako? Ton argent s'est changé en scorie. Mais moi, à quoi djako con? Est-ce que vous avez déjà vu de pareilles choses? À mon décon. As-tu déjà vu de pareilles? Un grand général nous attend. Est-ce que tu peux le donner à quelqu'un, à un marchand? Il a dit ainsi oui. Peut-on le recevoir de ta main? Il dit ton pain a été coupé d'eau. L'eau a remplacé ton pain. Quand on baisse de l'eau dans le vin, cela ne va plus avoir le goût de vin. Cela ne peut être fort que le vin. Pourquoi? Cela a été dilué totalement. Cela veut dire que l'importance que tu avais devant l'Éternel, tu n'es plus considéré comme tel. Ne permettez jamais à ce que votre argent soit transformé en eau. Et ne permettez pas que votre vin soit coupé d'eau. Plusieurs ont déjà coupé leur vin d'eau. Et l'argent de plusieurs sont changés en scorie. Quand une fois que tu as l'argent, tu n'as plus d'oreille attentive à la parole de Dieu. Tu l'utilises, tu le dépenses à ton gré. Comme ça, cela sera changé en scorie. L'orgueil t'a emporté au point où la parole de l'Éternel Dieu n'est plus considérée à tes yeux. L'Éternel Dieu dit que ton argent s'est changé en scorie. Et ton bien a été coupé d'eau. Que chacun de nous donc prenne garde. Ou que notre argent ne soit changé en scorie. Moi, ou que notre main soit coupée d'eau. Qui va le faire? Si le diable te séduit, et tu passes ton temps, tu mènes ta vie en une vie qui n'a pas une loi ou d'ordonnance de Dieu.
Alors ton argent s'est changé en scorisa. Et ton vin a été coupé d'eau. Que chacun de nous en prenne garde. Au retour de Jésus, que ce ne soit pas que de l'eau a été versée dans notre vin. Pour que notre argent ne soit changé en scorisa. Cela révèle que de toute notre existence devant l'Éternel, nous ne lui avons pas montré des œuvres dignes. Nous tous, nous devons demander à l'Éternel de nous aider pour que notre argent ne soit changé en scorie et que notre vin de l'eau ne soit pas versé dans notre vin. Au nom de thank you.
Amen.